Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode, je ne sais pas combien, 18. Un truc comme ça, oui. L'épisode, un truc comme ça, oui. Pour la suite de notre aventure sur Baldur's Gate 3, où nous allions Yay. interroger les morts. Ouais, c'est moi qui lui parle. Il faut que tu changes de gueule parce qu'il va pas vouloir te parler. Ah. Bah non, alors je vais pas lui Parce parler. que, soi-disant, comme on les a butés, ils veulent pas nous répondre. Ils sont vraiment pas coupables. Les morts de caractère, franchement, je te jure. Alors attendez, là je me chante. Je serai encore un drôle femelle. Merde, c'est où? C'est un nain qui a des complexes, mais il veut pas trop en parler. Mais non, mais c'est juste que je me. Ouais, je serai un homme. Non, mais. C'est pas de. Je ouh, ne critique pas, j'observe. Allez, bah non, regardez, je suis un homme, je suis. Après le gender fluid, le race fluid. Par contre, est-ce que vous pourriez vous éloigner parce que je sais pas si quand vous êtes à côté, vous voulez que j'ai. Attends, peut-être que je peux essayer. T'as peur qu'on regarde, c'est ça? Ouais, on sait pas, je crois, comment tu lui fais parler. Vous voulez pas voir ce qui va se passer avec ce cadavre? Il met la main dedans, il remonte jusqu'à la tête et puis il les fait parler. C'est une marionnette, en plus grand. Alors. Vous cherchez une forge. Adamantium. Ah bah ça je sais hein. Look inside. Memory shard. Ouais, comment? True title. Activates. Dawn. Lord Archmage. Pas puissant pour un archimage. Hein. Comment avez-vous. Ouais? Ah, non, à quoi sert ce fragment? Argument. Summon spectator. T'es pas d'accord, le mec il t'invoque un énorme truc dans la tronche. Quoi. Bah, il l'a dit que le memory shard ça allait permettre de savoir où était la forge. Ok, ok. Bref, ça nous l'a dit aussi tout à l'heure. Menzo Baranza. Ah, quelle surprise! The spell's power wanes. You can ask no more questions. T'es couvert de sang, gars. Alors, du coup, clic droit, utiliser le memory shard. The crystal shines only faintly. Alors, sonder délicatement les pensées qu'il contient avec les petites arcanes. Oh, ça devrait aller. Mais bah, heureusement qu'il y avait la maîtrise et l'intelligence, hein. On va dire ça, ouais. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported somewhere deep, loud. And hot as the hells themselves. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer, waiting to fall. An echoing clang, and you're back to yourself. Left only with a firm sense of a place, a grand forge. Wow, la forge d'Adamantium, elle est dans une forge. Wow. Tiens, il est l'inspiration et 50 d'XP, yay! Ah, on est pas loin du level ou pas? Non, non. On est au deux tiers. Encore 2000. Et ça nous a mis à jour notre quête de la forge de l'Adamantium. Parfait! On a fait le tour! Bah, y a un bateau à prendre ou et y a une quête à rendre auprès du roi. Je propose de rendre la alors, quête et puis de prendre le bateau. Ouais, ça me va. Une colonie de Myconide. Et je vais lui parler, je vais lui lancer la bonne nouvelle. Je peux lui parler. J'arrive. Je lui parle dans 5. 5, allez. Je tends l'oreille. Ah tiens, bon, je vais d'abord lui dire ça. The music shifts.
still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear a new harmony? Serenity. Ah, moi j'ai un bug. Ouais, la traduction est pas ouf. Summer to F, semeuse de paix. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. The guardian gate is open already. But perhaps there is still some reward to claim. Le truc qu'on avait déjà ouvert et qu'on avait déjà tout looté. I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar Blight, but not its source. Tuez le nain dans votre groupe. Allez. Je suis pas du Dwergar, espèce de débile. Ouais ouais, t'es petit, c'est pareil. Ah. C'est raciste. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head. And I will know my circle is safe. C'est comme si c'était fait. The drow lurks in the ruins beyond the lake. C'est bon, j'en ai marre. Bring him death and return. Ah bah du coup c'est bien parce que ça va nous faire utiliser le bateau. De fait. Non, je le vois ailleurs moi le truc. Est-ce que je peux avoir une requête? Vaincre les intrigues, regarde. Une requête de quoi? Une requête. On a pas fini cette zone. Laquelle? Où ça? La tour du mage, merde. Quelle tour du mage, merde? Bah on a pas fini la zone, moi c'est ce que je vous dis. Quelle tour du mage, merde? Ah je t'ai pensé. Je fais le guide. Je fais le guide. Et faut pas rendre le champi à la bonne femme là? Si. Ah oui si. C'est pas moi qui ai le champi. Hein. Bah c'est pas moi. Qui est le champi? Ah quel c'est moi qui l'ai. Le champi orange là de la dernière fois. Ouais ça. Ah, j'ai failli le bouffer en plus de tout à l'heure. Bon bah je suis passé, j'ai fait... Voilà, bon. C'est bon? T'as pu lui rendre? Non, c'est juste que je suis à l'endroit où disait vaincre les Dwergar, je suis passé et puis voilà. C'est qui le champignon? C'est qui la nana à qui faut donner un champi? C'est elle? Ouais. Ah, c'est Derrit Bonnoutok. I suppose that's your doing. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Please, Balin's got a job to do. We can leave when he's done it. Ah, peut-être lui parler à lui alors. Love. Never heard of it. Balin is meek now, but he used to be a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years. Losing his mind was the only good he ever did by me. C'est l'amour vache. Bah, je ne trouve pas de truc de quête. Curious. Beautiful. But dangerous. Next time. More careful next time, for certain. Thank dans le secteur. You for your help. Non, mais tu peux pas juste lui filer. On va pas avoir de thunes s'il le mange. Bah, on peut pas le filer à la bonne femme, tu veux faire quoi d'autre? Me too. Yes. Je sais pas. Qu'il y a un petit. Very glad. Someone's got to look after Derek. Je vois plus de marqueur de quête, hein. Anyway. What were you saying? Noble Stork. C'était quoi le nom de la quête, si vous vous en rappelez? Derek needs Noble Stork. Champignon. Mushroom. Good stuff. And the ledge. Yes. Bah, c'était pas le Noble Stork. Je l'ai pas en anglais, moi. Ah. And I tumbled down. Je vais essayer de la retrouver. Ah, là, tiens, genre la deuxième, peut-être que ça peut. Mushroom. Powerful. Dirith wants it for a brew. She's very good, my Dirith. Very good at a brew. Bah, j'ai rien. Bah voilà, tu vois, montre-lui là. Moi j'ai que continuer. Bah là, il y a écrit lui montrer le. Take that. Dirith wants it very badly. Very, very badly indeed. Tu vois, genre là, je peux. Il y a la ligne.
Ah ouais. Je vais le lui apporter. Bah, s'il l'a traité pendant. Oh, very glad. She'll be very glad. Bon, bah, finalement, on retourne chez elle. On s'en fait, j'ai votre champignon. We'll be clearing out. You come across a noble stock mushroom about. You give it here. Gods know I've earned it. Voilà, tu vois. Montrez le champ. We have a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. Nearly nothing it can't cure. Blindness, poison, hair loss. Probably. But Balin in his right mind wasn't worth half a half of noble stock. I know him better than anyone. Got the scars to prove it. Genre, il m'a ravé la gueule, je pense que... To no surprise of mine, you're more competent than Balin. Go on then. Hand it over. Non. Sell it. What else? Worth more than its weight in gold to folk back in Baldur's Gate. There ain't much you can't cure. Ah, la file là-dessus alors. Loads. But I haven't got anything to offer for it. And I'm counting on the shroom for that. Give it or don't. Bah, quand elle aura de la thune, c'est qu'elle veut. Un petit guidance pour l'intimidation. Ah ouais, attends, vas-y, je... Ah, si j'avais Parce su, que ça se trouve, la bonne femme, elle a juste chié toute sa life. C'est pas mon problème. Elle s'est mariée avec ce à un moment donné. Là, j'étais guidance là. Je t'ai filé l'inspiration de barre, au moins t'auras un truc. Ça va. Oh, ça passe. À un moment donné. Fine. Take this wedding ring from a pillock. It has to be worth something. Vraiment faire le gros. En vrai, moi, je le prendrais bien pour le donner à son mari, mais bon. I'd say it was a pleasure doing business, except it wasn't. Off you go. La grognasse. Ah, sur la croix. Bon, non, on l'a pas très très bien traité, hein. Non, mais elle m'a donné un anneau qui vaut tout de suite 50 PO, ça va. C'est bien, quoi, donc on retourne au bataille, c'est ça? On retourne au bateau, donc c'est. Hop, la plage. Tréfonds sur plage. On va se faire une petite croisière. Oui, est-ce qu'elle va s'amuser? Je sais pas, on verra, mais vu la gueule du bateau, c'est pas trop l'impression. Vous rendrez de l'autre côté du lac, sautez vraiment le fer. Oui. Bah oui. Enfin sauf ce Sivirde est toujours avec son. Mais oui, mais on a pas fini. Mais il est où ta putain de tour, parle de. Elle est juste à côté, elle est juste à côté, tu vois pas là qu'il y a un truc en dessous qu'on a pas fait. Non. Ouais. Mais mets un marqueur sur la carte, c'est ça que ça sert. C'est là là. Voilà. Parce que là je suis sur. Ah voilà, il est ambulancier. Ouais, vu. Ah bah voilà, c'est comme plus simple. Moi je dis rien mais je suis d'accord avec Katox. C'est vrai? Non mais franchement les gars, faut ouvrir les yeux. On est passé devant en plus, hein. Il y avait un gros escalier. Bah oui, mais monsieur a voulu grimper un truc en pierre puis parti machin truc de draw de machin, spectateur de truc, et donc j'ai zappé moi. Alors ce qui est bien à Tamir, c'est que t'as trouvé un truc et tu l'as pas loot. J'ai trouvé un truc quand ça allait à l'instant là. Ouais, t'as fait de la perception dans le camp, du coup je suis allé looter. Et alors, il y avait quoi? C'était bien? J'ai pas regardé, faut que... Parce que en fait, vous êtes partis comme des furieux. Et surtout qu'il est pas parti au bon endroit. Mais moi j'explore, j'ai dit. Même t'explores des trucs déjà explorés. j'ai pas précisé que c'était une exploration pertinente, hein. Ah. C'est un point gagné. Ah, il y a de l'ennemi. Ah, j'aime bien ça. Oh là, survival. Better watch out. Alors bougez pas. Tour à l'arcanique. Prenez un petit gars qui peut se rendre invisible. Bah moi aussi je peux me rendre invisible. Moi je fais 17 PV, je vais t'avouer que c'est pas non plus. Qui s'est fait repérer? Rien, c'est pas ça, par tour.
C'est quoi ce truc? Tourelle arcanique? Ah non, c'est... C'est Atemia qui sait faire piège, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est pas moi qui ai lancé tour par tour. Hein. C'est pas moi qui ai lancé tour par tour. C'est tour par tour, j'ai pu l'enlever à la main, donc c'est qu'on n'était pas en combat. Hein. Et il peut faire quelque chose avec la tourelle, Jackie Lafritte, là? Non. Mais il explore, et il y a plein de tourelles arcaniques, hein, donc ça va être la violence. Et il y a des bras zéro arcaniques aussi. Ah mais attends, mais j'ai un pare-chaud, je peux les je vais pouvoir les... T'as pas un pare-chaud d'invie? Et moi je vais te les disarmer les trucs. Sinon ça dure pas super longtemps les pare-chauds d'invie. Attends, laisse-moi regarder, est-ce que j'ai des pare-chauds d'invisibilité? Fracassement, foulée brûle, flou, communication avec les morts, invisibilité, tiens. Je sais pas combien de temps ça dure par contre. Hein. Ça va durer 10 tours. Dans le doute, je me mets derrière une deuxième tourelle arcanique, des fois qu'il faudrait la tataner. Alors, c'est solide. Et ça a des résistances aux dégâts tranchants. Ah mais ça se désarme pas du tout. Aux dégâts performants, aux résistances nécrotiques, ça résiste au feu. Ah par contre, dégâts de foudre sont doublés contre cette unité. Résistance au pique, résistance au poison. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On bourre dans le tas et on les défonce alors? Attends, je vais changer quelques sorts. En fait, il y a que Urmed qui peut les défoncer en fait. C'est mais non, change des sorts, j'ai dit oui. J'ai plus de spell slot donc je peux plus qu'envoyer des sorts de tonnerre et pas d'éclair. Bah, ton marteau, ça sert à défoncer du solide. Ah oui, ça par contre, oui. Et ça a 17 PV, elle va pas me dire que. Je prends une petite orbe chromatique. Ouais, moi je suis prêt à courir hein, s'il faut. Mais oh! Hop, c'est bon, j'ai refait mes spells, maintenant j'ai des sorts de. Ah! Bah, je crois que c'est le moment d'y aller. Hein. Alors, elle regarde pas. Ah oh! Pourquoi elle me regarde à tourelle là? Non! Wow. Ah, ça pique, hein! Ah ouais, en fait, tu cours dessus, tu les défonces, quoi. C'est même pas du combat, c'était. Ah, ouais. C'est bon, je casse la deuxième. Ah, mais en fait, ça les casse pas. Ah, ouais, ça les casse pas. Activé, là. Ah, il y aura un truc. C'est très bien passé. No way to ignite these. Strange. Ah, quelqu'un peut couper couper quoi? Mettre feu au truc là ou quoi? Mettre je dois un marcheau de boule de feu. Magical lights. But how to turn them on? Allez, cantrip, fireball, enfin fire trait de feu. Non. No way to ignite these. Strange. Alors. Si jamais je vais ouvrir la porte. Ou alors on peut passer par la fenêtre là. Est-ce que je regaspille encore un. Je pense pas que j'ai gaspillé. Oui, j'arrive pour. Il est lockpickable le coffre. Je vais pas gâcher une sorte de niveau 1. Est-ce que j'ai un pare-chaud? Il n'y a pas l'un de vous qui avait un pare-chaud de cercle chromatique. D'orbe chromatique? Je pense pas. Ouais. Bon, je vais voir la porte. Si, pourquoi? Un petit coffre de voyage, sauvegarde. Ah, mais bouge! Attention, ça fait mal. Ne pas te mentir, ça pique. Boîte matinale, j'ai mal. Ah bah après on a encore deux short rest, donc. J'ai fait 32. T'as fait 32 quoi? Pour ouvrir le truc, il y a un marteau pourquoi Ah les coffres qui étaient là-bas, ok. Non, c'est un marteau léger, c'est pas...
Moi, c'est les môles qui me... Ah, les maillets. C'est des moules. J'ai vu un marteau. Moi, j'ai vu un marteau, je t'avoue, je vais pas réfléchir. Je crois qu'il va falloir que tu te soignes et que tu fais gaffe, il y a deux sentinelles à l'intérieur, tu vas mourir. Il y a pas moyen de faire un short rest pour soigner tout le monde ? Bah, on peut. Ouh, un truc de barde, hein, je sais pas, mais... Non, il est déjà passé celui-là. Ok. Attendez, est-ce que... Bougez pas. Voilà déjà. Et on peut faire un short rest. Ah, ouais. Ou je monte la main. Voilà. Bon, bah, rapide et furieux, hein. Bah, tire-en sur. Fonce sur l'un, parce que là, en fait, tu te fais juste défoncer. Allez, go, j'y vais. Essaye de le. Ok, très bien. Oh, il y a un levier. Tire le levier, Kronk. Oh. Pas celui-là. Pas celui-là. Il y a un bouquin poussiéreux là. Ah, où ça? Là, sur le truc. Il y a un lutin. Ah oh, bah, il y a un coffre là. C'est quoi ça? What the fuck? Bah quoi? T'as vu? Ah mais fallait pas ramasser ce qu'il y avait dedans. Si, fallait. Ah bon? Ah bah oui. Pourquoi? Ah parce que j'ai récupéré plein de trucs. J'ai des potes qui me permettent de faire Featherfall, j'ai des pare-chauds. D'accord, c'est ça le truc. En fait, quoi que tu mettes dedans, ça le transforme en objet banal. Regarde, prends par exemple, je te mets une. Allez, un parchemin, non, une arme verte. Regarde, hop. Regarde le coffre. Tiens. Ouais. C'est chelou, mais. J'ai l'impression qu'on doit pouvoir prendre l'ascenseur, non? Il y a un ascenseur? Bah, si tu vas à l'intérieur de la cuve, là, c'est pas un ascenseur? Si, parce qu'il y a un truc en dessous. Ouais. Tu peux descendre. J'ai des petits fils, plumes, les. Enfin. Featherfall? Featherfall, ouais. Okay, ça intéresse quelqu'un ou pas? Ouais, fais péter. Parce que moi, j'ai toujours On a l'option de soit descendre, soit monter. Pour l'instant, je serais plutôt chaud pour. Descendre, mais montons, de toute façon on est déjà à l'étage 4. Bon, attends, il faut attendre de venir parce qu'il est caché quelque part là. C'est pareil, Bell il est pas dans l'ascenseur non plus. Yes, Featherfall, ça fait plaisir ça. Bien, donc on monte. Allez. Bah oui, on descend. Ah, montons, on est déjà au milieu de la tour, autant aller en haut. Je sais même pas si on peut monter ou descendre, moi. Mais qu'est-ce que c'est relou. Ah, peut-être qu'on peut que descendre, alors. Non. On peut pas m'en servir pour le moment, donc il y a un truc à faire. Si on veut réactiver cette daube. Et t'as lu le bouquin qui était là-bas? Oui. Et ça disait quoi? Je ne sais plus. J'ai oublié. Ah bah attends, sinon il y a peut-être une idée. Regarde. Hop. À l'ancienne. Vous et vos ascenseurs. Voilà, comme ça, comme ça qu'on fait. L'ascension du mal. La page de garde de ce livre indique fièrement qu'il s'agit d'une pièce écrite par Dame Inia. Elle est suivie d'une longue introduction, plus de 23 pages de notes à propos du texte. Si l'ouvrage en lui-même a l'air comme neuf, un paragraphe a été entouré deux fois. Il y a une lueur en tout ce qui vit. Elle remonte vers la surface pour survivre. Sur son passage ingrat, tout est détruit. Tuons les autres, mes amis, pour qu'elles puissent vivre. Voilà. À tes souhaits. Mais oui, c'est clair. Essence de sport, machin truc.
Vous avez réussi à descendre ou j'ai... Bah oui. On a descendu par... Bah on a sauté sur les champignons. On a sauté. Vous avez sauté, mais vous avez sauté où? Bah tu vas sur un des... Attends. Là. J'ai ping. Merde. Pour toi là. Tu vois pas? Je suis très très doué avec la minimap. Non mais là où t'es. Centre sur ton perso. Arrête de bouger. Ouais. Là. Ou là. Marche là. Ok. Après tu vas sur le balcon. Ouais. Après tu sautes sur le champignon. Hein. Oui. Oui, bah oui, oui, mais bien sûr. Si on a Featherfall, on doit pouvoir sauter d'ici aussi. Featherfall, c'est en AOE, non? C'est pour ça. Ah, mais t'es descendu comment, toi? J'ai trouvé un trou. Ah ouais, mais tu t'es pris des dommages en sautant. Non. Alors que c'est lui qui a Featherfall. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait Featherfall tout à l'heure et ça me l'a pas du tout fait. Moi, je me suis pris des dégâts. J'ai activé, Arda était à côté, y a rien eu. Ouais, j'ai Featherfall, ouais. Bah si tu peux le claquer là comme ça on saute. Alors bouge pas, je vais le récupérer dans mon grimoire. Je retire l'orbe chromatique, je prends ça à la place, hop. Si je saute je meurs, il y a marqué. Ouais mais c'est bon, c'est soit mis. C'est une grande chute quand même. Tu vois lui il fait Featherfall sur les gens. Moi quand je fais Featherfall avec les bots c'est que pour moi. Ah encore des fleurs de Sushiro. Ah, y'a un survie raté par ici, donc... Ah, il doit y avoir un truc enterré. La sainte paille. Ah, voilà. Ouais, suffisait que j'arrive. Il y a une porte verrouillée ici. Bah t'es bien. Arda, t'as un scroll sur toi pour ralentir les gens, je sais pas si t'as le sort. Hop là, c'est appris. Moi je t'ai envoyé faire Firewall, je sais pas si tu connaissais déjà. Bien sûr. Tu te rappelles pas ces gentils gobelins qui sont tous morts? Attends, oui, c'est vrai. Je vais donc ouvrir la porte. Ah, mais oui, je peux pas te caster. Bah attends, sinon je mets un coup de marteau. Oh, mais t'inquiète pas. J'ai 10 à 13 de bonus là. Ça devrait le faire. Tu viens de faire 22. Mais casse pas la porte. Ça marche aussi, hein. Bon, on est chez un alchimiste, alors tu vas avoir des trucs à ouvrir, je pense. T'as une main de mage ou pas, Arda? Rallumer l'ascenseur pour aller à l'étage. Il faut mettre un truc pour générer de l'énergie, mais... Y a le un truc s'appelle là, pétale bleu. Hein, y a un trou, je pense que tu vas pouvoir passer dedans. Le truc que t'as, là... Le Sushiro, essaie de le combiner avec le générateur d'énergie vu qu'il y a des pétales bleus sur le sol, c'est ce truc bleu que je vois. Si tu veux, je te file les fleurs. On va tester ça, tac. Ah. Voilà, belle affaire. Boum. Ça fonctionne. Putain, je le savais, l'indice des pétales bleus sur le sol. Tiens, Arda, des petits pare-chocs pour toi là. Et là, ça explose. Et un bouquin aussi. Nice. Ah, les sentinelles sont en stop. T'as une fleur de Sushiro, ça consume. Non, je suis en train d'allumer toute la tour là. Cette cinématique elle est super belle, je trouve. Eh belle. Par contre, il y a un truc qui nous attend au-dessus, clairement. Oui. Bah, on va peut-être faire un reste avant, non? Regarde, la tour explose, fin de la game. Bon bah. Enfin, je sais pas comment vous en êtes niveau ressources, etc. Mais peut-être qu'il faut faire un reste. Un long reste? Non, je ne sais pas. Je vois Mulnir qui a pas de PV. Moi, je suis good, non, pas de problème. Encore un short rest, il me reste 3. Attends, c'est moi qui ai encore les. Ah ouais,
de la consommation. Attends, pourquoi je te l'ai... Tu m'as renvoyé la fleur de Sion ? Bah ouais. Bah je l'envoie au camp. J'ai un collier qui fait la détection des pensées, ceux qui veulent. Y'a un levier. Ah, j'ai retrouvé l'ascenseur, il est à l'étage. Attendez, parce que dans les sacs, il y a plein de... Moi, dans les sacs et les tonneaux, là, j'ai trouvé plein de pots d'alchimie. Ah ouais ? Vous avez tout looté, ouais ? Bah, j'ai fait le tour. Je pensais que vous aviez le temps de tout faire. Je vais regarder les caisses et tout. Attendez, y'a pas moyen d'aller en dessous, là ? Parce que moi, en dessous, je trouve un passage avec un levier. Quoi, un passage avec un levier ? Où c'est ? Ah, oui ! Bah t'es... attends, je vais essayer de péter. Ah, tu veux péter le mur ? Ah non, attends, c'est ça. Où est-ce que t'es ? Là où je suis, moi je vois en dessous là, et là je vois qu'il y a un levier. Si vous faites halt, il y a un levier là. Le levier il est pas juste... Ah ouais. Ah non, j'avoue, ouais. Je suis pas totalement débile encore. Non. Ah, oui. D'habitude je dis pas, mais là... Et il y a un sous-sol Non, mais quand il s'agit de looter, j'ai l'œil et j'ai toujours le... Alors, non mais attends, je t'aime. Bah Ça va, rien fait. Y'a pas levier, moyen... Allez. Comment t'as fait? J'ai mis ce système. Il a mis... il a... Littéralement, il a clip, quoi. Le spell cheapé. Eh, ça... Oh, la cinématique. Ah non. Où est-ce qu'on est? Oh, qu'est-ce qu'on... Où est-ce qu'on est? Let's go. Oh, je suis pas venu là. Oh, c'est trop bien. Ah bah là y a déjà un bâton pour Ardarine là. Le bâton de bénédiction arcanique. Il y a des langues, il y a des machins, il y a des trucs. Je prends des trucs. Bon, tiens, prenez tout ce qu'il y a là-dedans, je pense pas que ce soit pour moi. Ardarine. Ah bah en fait, quoi. On aurait pu. Si, en fait, il suffit de quand t'es au dernier étage, de redescendre un coup et t'arrives ici en fait. Ardarine, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi aussi. Tu lis le bouquin ? Moi je t'ai tout envoyé Arda là, je t'ai envoyé des milliards de trucs. Je t'envoie des livres Arda, hein. J'espère que tu les lis parce que moi j'ai arrêté. Je sais pas si ta sphère enflammée mais maintenant tu peux la prendre. Oh, tout c'est par chaud. Ah maintenant on est chez un mage hein. Ouais. Oh là là mais vous me mettez bien là. Et c'est une tour de mage. Le bâton il fait quoi? Alors attends, j'ai pas eu le temps de regarder encore parce que j'ai plein de trucs. Pourquoi est-ce que j'ai pas le bâton sur moi? Quelqu'un l'a. Non, je l'ai pas pris. Alors moi j'ai pas touché. Mais pas, essaie de trier et puis tu vois. Comment on fait pour trier? Il est chez qui là? Tu fais inventaire, puis à côté du mode de, de recherche d'objets. Là. 4, 11, ça te permet d'avoir le sort Bless. Et ah, c'est pas. Ouais, oh, je sais pas si c'est si bien que ça. Hein. Bah, je ne vois pas. Ah, si, il est là. Bâton de bénédiction arcanique. Bénédiction, sort d'enchantement de niveau 1. Je sais pas ce que ça fait. Renversé, ouais. Bénédiction de Mistra, confère 1 des 4 supplémentaires au jet de sauvegarde et au jet d'attaque d'armes. Et 2 des 4 supplémentaires au jet d'attaque de sort. Bah écoute. Oh, Dame. Écoute, c'est quand même plutôt pas dégueu. Ah oui, attends, parce que j'ai cliqué sur le bouton étage et je suis en train de parler avec un mécano. Non. Ah si, je te jure. Bah je sais pas, j'ai appuyé sur un bouton en me disant je vais remonter juste à l'étage et puis en fait non. Ah là là, mais il faut rester avec le groupe, Captox. Mais moi, je suis en bas. J'ai juste avancé, je voulais remonter. Ça m'a pas mis au bon endroit, du coup. Faut cliquer sur le bouton étage. Non, mais moi, j'ai pas le bouton étage, j'ai le jeu en anglais déjà. Non, mais top floor. C'est à gauche. Ah, top floor. Putain, si j'avais lu top floor, ça aurait été plus logique. Là, ils m'ont juste mis le mot étage en français. Traduction de cul. Attends. Il s'agit du premier vers d'une vieille pièce de théâtre, La Voix, les voix des ténèbres. Attends, 11 heures passées à étudier à l'école, vous revient en mémoire. Il s'agit des premiers vers d'une vieille. Il dit. Attends, je crois qu'on a le bouquin.
Un bruit résonne dans le noir oppressant, un ennemi voulant vous trucider. Attends, attends, on a le livre de ça. Non. Possible. Si, si on avait commencé, mais... Comment il s'appelle ? La route vers les ténèbres. Non, la voie des ténèbres. On avait balancé tellement de trucs. Ah, moi je t'ai filé les livres, t'as dit que fallait que Journal Earth, journal relié, l'ascension du mal. Regarde, c'est toujours pas chez moi. Au cas où. Des nerfs de l'esprit. Je suis en train de checker. Mais là c'est mort, soit t'as lancé le dialogue, je pourrais pas le. Si, 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 normalement ça va. T'as un bouquin curieux sur toi. Ah, mais c'est un bouquin pour mettre des bouquins, d'accord. Pratique ça. Un bouquin pour mettre des bouquins. Tu dois le filer à Arda. Bah, je sais pas, je le vois pas donc. Ah, peut-être ça. Non. Bon, bah, je suis un ami, je viens en paix, on va essayer ça. Je prends ça pour un oui. Bon, nous attaquer. Non, non, mais non, fallait pas lui parler. Mais j'ai pas eu le choix. Mais non, mais fallait que t'attentes. J'étais en train de changer mon stuff et tout. J'étais en train de me changer là. Bah non, mais j'avais du stuff parce que j'ai ouvert des coffres, pas du tout un stuff pour me battre. Oh, en plus, il s'appelle Bernard. Ouais, mais c'est pour ça. Je pense que t'as un clin d'œil et j'ai adoré ce clin d'œil. Putain, ça fait chier. C'est quoi le clin d'œil? Bah, Westworld. Pas vu. T'as pas vu cette série? Oh là là. D'autres choses à faire de mon temps. Genre des collections. Ah, pourtant. Ah non, 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 celle-là, je te la conseille. Au moins, la première saison a été. Elle était vraiment cool. Bon, on a une là, on a une là, putain, il y en a partout en fait. Vraiment, c'est vrai qu'on a pas fait le jeu short rest. Je me suis fait péter la gueule avec les tourelles. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais Misty Step tranquillement pour éviter de me faire désosser? Bah, le problème c'est que le seul endroit que je vois c'est là, mais il y a un vélo. Alors... Bah, bon, bah, péter la bouche. Je vais peut-être me mettre sur le toit. Non, ou tu peux te mettre là. Alors, j'ai pas vu où t'as pingé. Là. Non, je vais me mettre en hauteur, je pense que je vais plutôt aller. Ah, là-haut. C'est ça. Mais bon, je vais sans doute me prendre des coups d'ici là. Bon, lui, je vais le faire bouger, comme ça. Déjà comment résiste ça. Oh. Dégage. Ah purée, il est résistant aux dégâts de. Bah, il est perdu. Ah bah oui, c'est vrai, du coup il peut pas se barrer. Tranchant, perforant, contondant, résistance au feu, résistance à la foudre. Bon, ça on lui va lui mettre des petits. J'ai pas changé mes spells! Ah putain! Bah ouais, c'est pour ça, c'est pour ça, fallait pas, fallait attendre de lui parler, c'était sûr qu'on allait être en combat. Vous en faites pas les gars, je vous surveille de loin. Non, je comprends vraiment pas pourquoi j'ai autant de mal à taper sur les adversaires. Ah, le il t'en voulait personnellement. Bon. Oh, toi déjà. C'est un boy. Sur 4d6 de dégâts, j'ai fait 6. Quelle déchéance, quoi. Mm-hmm.
J'ai bien fait. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh. Ah! Santé. Je suis dans sa zone d'électrochoc, c'est ça le délire là? Alors attends, qu'est-ce que je peux. Attends, bougez pas. Je vais essayer de surtout sauver les bonne chose de fait. Ah là? Hein? Qu'il me fasse pas chier! Attends, je vais faire ça si que ça. Ah mais t'as pas un spell de heal en bonus action. Bah ça va pas soigner autant que ça. On s'en fout, juste je dois pas crever quoi. Pourquoi tu... Elle est passée où? What? Attends, j'ai jeté la potion à nos pieds. Je la vois pas perso, même avec Alt. Elle a non mais je... Genre je l'ai... Oh putain, sérieux? Bah c'est possible hein. Attends, y'a un truc pour ça. Voilà. Mais je... Ah bah je peux même pas te relever, bah désolé hein. Bah super, non mais elle a disparu, elle dépop donc Non mais je te dis C'est le feu sérieux qui a empêché. Là c'est possible hein. Putain, j'ai jamais eu le cas de figure donc d'accord. Ah c'est con hein, parce que c'était une grosse potion en plus. Attends bah du coup moi je vais faire ça aussi mais je vais essayer de faire ça mieux. Ça reste à quoi? Psychique et poison. Oui. Ah, bonjour. Ah merde, t'as une attaque ou pas? T'as une action d'attaque ou pas? Non du tout. Je sais pas ce qui se passe mais... Allô? Oui. Ouais. D'accord, je sais pas le jeu là ce qu'il me fait. Je suis en écran de chargement. Ah oui, effectivement. Ok, super. C'est moi qui te joue. Connexion au serveur a été perdue. Interrompue. Bah j'attends que tu te reconnectes, tu reprendras ton tour. Ah là là, un épisode tout en bug. Et c'est quoi ce délire? Genre j'ai tout qui a freeze, vous m'entendiez toujours sur Ouais, on t'entendait. Ah putain, bah moi je vous entendais plus du tout. Ah, peut-être parce qu'on disait rien. Ah d'accord, super. Non, je parlais et vous me répondiez pas quand je disais allô, allô. Moi j'ai entendu qu'une seule fois allô. D'accord, parce qu'il y a eu l'écran qui a freeze, peut-être que c'est tout le PC qui a bugué. Mais... Bonjour. Voilà, je t'ai rendu ton perso. Ouais, mais je vais pas faire grand chose parce que là... Ah si, tu vas taper. Bah non, même pas. J'ai pas d'action que j'ai relevé. Ah! Et ouais. Bah t'es mien. Qui a le droit de passer son tour. Ah putain, c'est vrai, je t'aurais soigné, j'aurais eu mon action. Ouais, c'est pour ça. Ah, c'est dommage. Bah après, mais à chaque. Du coup, je nous ai soigné, j'en ai profité, j'ai posé une potion par terre, je l'ai tapé. Mais ouais, c'est ça par contre, j'ai pas capté quand j'ai jeté la potion pourquoi. C'est toi qui dois passer ton tour hein, d'ailleurs. Ah, pardon. J'attendais qu'il arrive. Je sais pas si c'est à que chez moi que ça lag, mais quand il y a des attaques qui sont faites, ça prend 3 plombes avant de se déclencher les animations. Chez vous aussi? Non. Je pense que... Oh non, il a raté. Ah oui, c'est vrai, du coup, je suis léthargique. Putain, mais c'est pas possible. Ça fait 3 fois que je fais ça. À chaque fois, je fais 6 sur 3d6. Bah, j'aurais bien rien fait.
cutting to the chase. Après, leur défense est élevée. Hein. Je m'en moque. Ouais, j'arrive pas à les passer. Hein. Ah, ils ont 18 quand même. Non, mais t'as fini de me tirer. Non, j'ai pas envie de te l'envoyer dans la... C'est bien, tu pêches cette réaction. Allez, bon, attends, tu me tires au cac dessus. T'es un peu con. Bam, 10 de dégâts dans la tronche. Ah, vous avez déjà looté le mec, putain. Là, je t'ai filé son arme. Ah oh, ouais. Ah, ça y est. Bah, après, elle fait des dommages d'éclair, mais sinon, elle a pas l'air folle, hein. Perso, c'est... Je l'ai pas remplacé, et même là où je suis dans l'acte 2, avec la barbare, je l'ai encore. Ah ouais. C'est si bien que ça. Bah niveau dégâts, c'est celle qui en fait le plus. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'elle te stun. C'est assez chiant, mais... J'avais pas l'impression que ça soit si fort, mais voilà, ouais, tant mieux, hein. Bah le D6 de dégâts, le D6 de dégâts d'éclair, c'est pas mal. Oui, non mais c'est sans doute, hein. Je... Ah, t'as pas d'autre arme, t'as pas d'autre arme qui fait le plus... plus un D6. Après, ça doit être équivalent peut-être à une épée à deux mains. Parce que là, c'est un D10 plus un D6. Et que les épées à deux mains, c'est 2D12. Et la masse, elle est à combien? 2D6, ouais. J'ai trouvé un bouton quelque part dans la tour. Est-ce que j'appuie dessus? Tu vas arrêter, oui? Oh, bah, va, ouais, c'est bon. T'es caché où? J'ai la tâche du tout. Merci de me refiler vos merdes. Mais attends, tu veux pas attendre qu'on finisse l'étage où tu nous as emmené là? Bah il était fini, il n'y avait plus rien. Bah non, bah, non. Je viens de looter 7 caisses. Ouais mais 7 caisses avec quoi dedans? Des mécanismes cassés? Non et... même pas, il y avait des armes, il y avait un truc avec 3 parchemins pour Arda, enfin non, il y avait des trucs. Ah, les mécanismes cassés ça sert pour le... pour l'alchimie. Oh là là, c'est fou tout ce qu'on trouve. Ah, vous avez déjà tout looté en fait en haut. Ah oui, depuis tout à l'heure je suis en train de looter. C'est un moment, c'est fini, mais c'est pas son mouvement quoi. Tiens, là il y a un coffre déjà. Ouais. Oh, il était ouvert, Ah d'accord. Bon, je crois que j'ai trouvé le bouton. Il fait rien. Il fait rien le bouton. Déception sur 20. Allez. Si et là, attends, parce que là, il y a un bouquin sur les l'art des mots fléchés. Là. Viens lire ça. Hein. C'est pas les mots fléchés, mais j'ai pas le mot en français. Hein? Vous croisez. Là, les l'art précautionneux de tirsou, je sais pas quoi là. Du chiffrage en tirsou. Voilà, lis ça, ça devrait peut-être te faire quelque chose. Ah, mais les cryptages. Oui, voilà, c'est ça le mot en français, merci. Putain, je l'avais plus là. Enfin, des. Putain, c'est quoi, c'est langage codé. Je me sens si seul dans ce silence pesant, puis-je vous tenir la main rien qu'un instant? Ah. C'est tout? Ah, on aurait pu lui dire, hein, au bal. Alors, un disque gravé d'origine Gisianki sur lequel est consigné un code complexe permettant de déchiffrer les anciens dialectes Gis. Une découverte utile pour quiconque se retrouve confronté à des écritures aussi archaïques. Et bien ça, je vais le prendre. Where to next? Voilà, vous avez fini de looter tout ce qu'il y avait sinon? Non, non tous les bouquins. Y a, c'est vrai que ce bouton il est bizarre. J'ai tellement une chier de pare-chaud. Ah moi je te les fixe tous mes pare-chaud. Ah ouais je vois ça ouais. On me dira pas que je les donne pas. Ah non je pourrais pas le dire. Il fonctionne pas. Bon. Ah, j'arrive pas à voler ce tableau. Et
Ça, c'est l'étage où on était tout à l'heure. Voilà. Ça aussi. Ah, mais ça aussi, c'est vrai. Wow, l'ami du mage, arcane et religion plus 1. C'est un anneau, ça, non? Ouais. Je pense que je vais préférer ça à couleur dansante. Sans deck. Tu m'étonnes. Quelle surprise. Ouais. Après, c'est pour les jets de compétences. C'est pas pour le combat. Bah, je pense qu'on peut dire que oui. Cette partie de l'Underdark, c'est bon. Hein. Ouais, c'était bon. Ah oui, non, il manquait plus que ça, mais c'est. Après, il y a le bâtiment, quoi. Après, Katox est plus intelligent que moi. J'ai passé beaucoup plus de temps à essayer de comprendre comment réactiver la tour personnellement sur ma partie, mais. Oh bah, moi je. Pétale bleue. Deux fleurs bleues dans le jardin. Ah non. Quand on était à l'étage avec les deux tourelles et qu'il y avait l'ascenseur qui ne marchait pas. J'avais pas vu le balcon qui permettait de descendre. Ah, donc sur ma partie, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel? Comment je fais? Si, moi je. En fait, je regardais la carte. Et tu vois, c'est con, mais la carte elle est dessinée avec des zones où tu peux aller ou tu peux pas aller. En fait, ça te donne vachement d'indices en fait. Oui, à ce moment-là de ma partie, perso, j'avais pas pensé à me servir de ça. Et au fur et à mesure, oui, ça... l'habitude m'est venue. Mais... Alors, bougez pas, je reprends ma fireball. Qu'est-ce que j'avais comme sort? J'avais mes rayons ardents. Je sais pas si ça va être dessus contre les drows, ça va être bien ça. Ah, j'ai pas beaucoup de spells de niveau 2. Qu'il fasse un jump de là à là. Non, moi j'ai plus que 3 levels. Hein. J'avais tout claqué sur nos premiers combats. À mon avis, comme d'hab, on pourra. Est-ce qu'on pose une petite popo au sol pour se soigner là? Parce que on a tous pris un peu quelques dégâts. Bon, ça va. J'arrive. Et donc en fait, je peux faire le méga raccourci si je fais ça. Et hop. Qu'est-ce qu'il fait? Allez. Ah, vu qu'il a fait Zorfall, maintenant il fait Muse, je pense. Et voilà. J'ai posé 3 potions au sol, je crois que j'ai fait une connerie. A disparu aussi. Ouais. Ah donc on est d'accord, c'était peut-être plus un bug que bon, moi qui ai fait le. Cessons de faire n'importe quoi. Non, je les ai retrouvés là, mes 3 potions. Hop, scinder la pile d'objets, je confirme. Lancer. Alors, est-ce que je peux la lancer de façon à ce qu'on soit tous touchés? Mais. Ah! Saleté de jeu. Lancer, disais-je. Yeah. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On stoppe avant ou après la croisière? Après? Ou juste après? Après? Je sais pas, vous avez le temps de refaire un épisode? Ce sera dur. C'est soit on se fait la cinématique maintenant, soit on se fait la cinématique après, je sais pas. On se fait la cinématique maintenant, on est qu'à 53 minutes. Allez. Traverse le lac. On the lake's murky waters. Mettre le cap. J'ai pensé la même chose la première fois. Pas de test en compétence de navigation, là le MJ il est beaucoup trop sympa. Je vous ai recoulé par le fond moi. Quelqu'un a une compétence en navigation? Oh. Alors, moi je dirais que non. Télélème. Ah bah là une fireball et puis on parle plus. Au moins on vous a parlé de moi. Elf, what are you doing on Gex Roth? Fireball. C'est qui Gek? C'est le gars qu'on a fumé le du Erga. Where's Gek? Oups. Who are you?
Non, parce qu'il faut les stuff alors. J'ai vu un cadavre laissé par les myconides de votre gars qui est sûrement mort. Ouh. Personne peut me filer un petit bonus ? Bah, en fait, bah là, on lance des... là, on le voit même pas. Ouais, donc, en fait, on n'existe pas vu que nous on a la cinématique. Ah, bah, j'ai fait 6. Pas dommage. Ah, heureusement qu'on a pas un plein d'inspi. Ouais. Faire lancer les dés. Pour nous, c'est très monotone, je dois t'avouer. Ça donne limite de mal de mer. Il fallait que tu fasses combien ? 15. Ah. Bah, au pire après, on tape, hein, c'est pas grave. On en a plein des dés d'inspi. What a load of Rotho shit. No way a mushroom killed Gek. Get him, fellas. Parfait. Ah. Oh. La bagarre. Bagarre. Après, il y a pas. Oh oui, j'ai ça maintenant, c'est vrai. Ah, mince. Par contre, c'était pas prévu. Ça. Bon bah, j'espère qu'il va pas me pousser parce que là, sinon, je suis dans le. Dans l'eau. Bah, dans l'eau. Dans l'eau. Et tu sais nager ? Non. Bah, surtout que là, avec le poids d'armure que j'ai sur la tronche, à mon avis. Même si je sais nager, ça va faire bouc. C'est pas cool ce que tu viens de faire. Ouais. Comment est-ce que je lance ma fireball après pour cramer tout le monde ? Bah, maintenant que tu l'as fait, t'as plus dessus, hein. C'est bon, je me suis décalé. Ah, rip. Gros rip. Qu'est-ce que quoi ? De quoi rip ? Bah, il m'a poussé dans le... Je suis... What the fuck? Putain, à chaque fois je me fais chier. Ah, bah rip. Ciao. C'est quoi ces combats de merde censés... C'est les deux qui sont pas censés louper leur test qui les loupent. On peut peut-être recharger. Peut-être. Moi je dis ça passe. Est-ce que t'avais sauvegardé ? Lance au moins ta fireball histoire de faire. Ah non, c'est même pas toi, bon. Ouais, c'est pas moi. Je crois que la sauvegarde était il y a longtemps en plus, hein. C'est longtemps sur 20. Eh bah, c'est une fin d'épisode à la hauteur de notre aventure. Ah, c'est dommage, hein, j'en ai profité un tour de la nouvelle arme. Tu crois qu'il y a moyen qu'ils nous poussent tous à la flotte, vraiment le combat à la con quoi. Mais ce que je comprends pas, c'est que normalement quand t'as de la force, c'est pas contre la force, c'est. Enfin quand on te pousse, c'est pas la si. Force qui est censée jouer. Normalement si, c'est un jet de sauvegarde de force. Attends, j'ai 21 en force et j'arrive à te faire push quoi, c'est n'importe quoi. Ah, tu t'es fait bolos quoi. Mais il décode 0 hein. Ah ouais. Ah, qui voulait monter la difficulté encore? Bah bon moi. Bah moi je suis convaincu que. Ça serait jouable. Mais après là, c'est vrai que ceux-là sont un peu énervés. Eh, vous en sentez bien quand même sans frontline. Ah, moi j'ai rien dit. Tu peux te taire. Prochaine fois, tu fermeras bien ta gueule. My bad. Un nain grandi, tu veux dire que c'est un être normal? Ah bah, rigole hein, mais je pense qu'à mon avis, ça va pas se mettre pour ta tête d'ici peu. Peut-être soigne ton pote, non? Bah, ouais, allez. On peut essayer. Ouais, allez, on peut. C'est toléré quoi. CV, tu te fais down, c'est mort. Ils avaient beaucoup de PV quand même, hein. Je leur ai pas fait des masses de dégâts. Hein. Ah, tu les as mis mid-life quand même. Moi j'ai réussi à
un peu de dégâts sur l'arbre, mais bon, après j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Pourtant, j'ai essayé de me mettre à un endroit où il ne bouge pas, mais. Ah, ben c'est après que quand je me suis mis là, je me fais ah, peut-être que c'était pas une bonne idée. Un PV, ah, 0. Si prêt, et bon, continue-moi. Ouf. Je tiens vraiment, c'est faux. Bon bah, on va stopper l'épisode là-dessus. Bah écoute, oui, sur une défaite écrasante. Ah là, on bon. Sait. Une défaite de poussée, quoi. Et comment ça se fait que c'est toi qui es par contre parlé? En fait, ça correspond très bien au D&D. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la flotte, vous faites défoncer. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez fait des combats terribles, mais dès que vous avez traversé un ruisseau, il y a 4 morts. C'est vrai que ça, c'était assez. J'aurais dû penser, c'est une traversée de lac, fallait pas le faire en fait. Bon. C'est vrai. On dit au revoir à tout le monde. Yes. Allez, des bisous. Bisous tout le monde.